petit jeu pas mal le fun que j'adore. En fait, c'est une compilation de petits mini-jeux. Fait que ça fait longtemps que j'ai pas fait le océan. Fait qu'on va aller dans les sous-marins. Okay. On va faire celui au complet, le jeu au complet face à un requin. Voilà. Ça, c'est le premier jeu de VR que j'avais essayé. Il avait fait une démonstration Web Game. Puis je l'avais essayé. C'est le premier. C'est ça qui m'a donné de la piqûre, en fait, du VR. Parce que là, comme je me sens vraiment dans le sous-marin. Là. Allez, le tétard, on va faire le tour du propriétaire. Connor, un gars que je connais, m'a dit qu'on avait repéré un paquet de déchets dans les alentours. Surtout à la surface. On devrait pas regretter d'avoir fait le déplacement. Sérieux, c'est trop beau, hein? Je sens qu'on va faire une grosse découverte. On n'est pas vraiment autorisé à mener ce genre d'opération dans le coin. Alors, on va pas traîner. Tu vas descendre avec les drones de récup, le tétard. Eux, ils rapporteront tout ce qui est amovible. Toi, ton rôle, c'est de garder l'œil ouvert pour repérer tout ce qui peut avoir de la valeur. Personne n'a jamais mis les pieds ici, mais t'inquiète, on reste avec toi tout le temps. JJ, on peut se faire un petit check système? Pas de problème, tout est nickel, Cal. J'établis la connexion avec la combinaison. Effective dans 3, 2, 1... C'est parti, les détecteurs sont activés. Prêt pour la descente, les amis? JJ, à toi de jouer. Aïe, aïe. Quand on descend, là, je me sens vraiment descendre. Pas grâce aux images que nous envoient les drones. Ils relayeront les infos importantes vers ton système de communication. Prochain arrêt, le sous-sol. Ok, on détecte pas mal de mouvements là au fond. T'auras pas le temps de t'ennuyer. Il y a bien quelque chose de gros dans le coin. À en croire les relevés, la descente va être plutôt rude. Mais t'inquiète pas, c'est JJ qui est aux commandes. Et dans le domaine, tu trouveras pas meilleur. Regarde en arrière, partout. Tu vas pas tarder à avoir de la compagnie. On reçoit de multiples signaux sur les détecteurs. Ça indique que quelque chose de gros est passé par ici, et ça a l'air récent. Connor, dans quel pétrin tu nous as encore fourré?
sismomètres viennent de s'allumer, Cal. Il y a quelque chose qui est en mouvement là au fond. Chef, je baisse le rythme. Tétard, tu m'entends? Les communications sont rétablies. C'est qu'on a failli perdre pour de bon, Tétard. Mais, heureusement, c'est pas le cas. D'après les moniteurs, on arrive au bout, Cal. Encore un effort et on aura passé la grotte. JJ, tu peux rallumer les lampes de la cage? Ah, c'est mieux. Une seconde. D'où ça venait, ce truc? C'est sur aucun de nos relevés. Je comprends pourquoi Connor est resté aussi évasif. JJ, une idée d'où peut bien venir cet engin? Non, chef, aucune idée. On n'a pas de signature correspondante et rien d'aussi gros n'a été signalé dans le secteur. On ferait bien d'aller voir ça de plus près, alors. Ça m'a tout l'air d'être militaire. Et récent. Si c'est bien le cas, on devrait pas tarder à avoir de la compagnie. Gégère vient de s'activer, Cal. Éteins-moi ce bordel, tu veux? Ça sent le roussi, Tétard, faut pas traîner. Mais pour l'instant, tu risques rien grâce à ta combinaison. Pour une fois qu'on décroche le gros lot, c'est pas de bol. On se retrouve avec un sous-marin nucléaire non identifié. Super. Connor nous a envoyé faire le sale boulot à sa place. Allez, Tétard, il faut qu'on récupère tout ce qu'on peut sur cette épave, et vite. Pas question de repartir les mains vides. On en est où, au niveau du temps de la plongée? Pas de problème de ce côté. C'est des radiations qu'il va falloir se méfier. Les sismomètres viennent de se rallumer. Surtout, regarde bien tout ce qui va vers le fond. On n'a pas beaucoup de temps. Essaie de récupérer tout ce qui peut avoir de la valeur. Les drones s'occupent du reste. Je détecte une forte signature thermique émise par quelque chose là en bas. Peut-être la source des radiations. Avec cette cargaison, évitons de déclencher quoi que ce soit. Il nous la faut en un seul morceau. On va la ramener à bord pour voir de quoi il s'agit. À mon avis, on doit pas être les seuls à s'y intéresser. Attends.
Attends, on détecte quelque chose de gros qui fonce sur toi. Tu l'as dit. Ouh, une putain de première expérience. Cal, le radar indique la présence de quelque chose qui nous fonce dessus. On a de la compagnie, on dirait. Et je crois savoir ce qu'ils sont venus chercher. Dans quoi tu m'as entraîné, Connor ? Et voilà, c'était VR World. Retournons au menu principal. Ok, là, celle-là, je vais me mettre debout pour... petit jeu de... Il est pas mal de fun. Attends, c'est... le bas, là.
tournoi, mais j'ai jamais réussi à faire le tournoi complet. Je pense que c'est 6. Je pense que c'est 6 adversaires, je pense. Ah merde. Eh merde. Yes. On en reparle un autre. On continue un autre. D'habitude, je me rends plus loin que ça.
Ben, je mange du. Oh non, lui il est. Lui est pas battable celui-là. Merde. Je sais pas comment le battre lui. Je sais pas comment le battre. Bon ben ça va être tout pour ça. Puis une autre fois je vous montrerai d'autres jeux. C'est tout pour ce soir. Je vous montrerai d'autres jeux de VR World. Bye bye.